Jean Chrysostome Dolto alias Carlo nous a quittés en 2008. Pour lui rendre un hommage de plus, retour sur le jour où la maladie l'avait emporté. Dans les années 70 et 80, le chanteur franquet a fait rire The Generation's Grace à ses tubes drôles et festifs. Et là, le 17 janvier 2008, Carlo a rendu l'âme à elle, âge de 64 ans. Un cancer foudroyant Jean Chrysostome Dolto aurait pu avoir 78 ans en 2021. En tout cas, plus de 13 ans se sont écoulés et nous allons revenir sur le moment où cet horrible cancer l'avait battu. Les grosses têtes, blagues dégueu de Carlo, Enrico Macia. Photo, YouTube, les grosses têtes avant de rendre son dernier souffle, Carlo a été transporté à elle, hôpital Beaujon, à Clichy, situé dans la capitale francaise. D. Après la jeunesse droit d'auteur du chanteur, Catherine Dolto-Tolich, Carlo faisait preuve de beaucoup de courage en luttant contre sa maladie. Il n'a pas eu assez de temps pour suivre un traitement approprié à son cancer. Les médecins ont détecté qu'il avait un cancer de foie foudroyant seulement 2 mois avant sa mort. Carlo, big bisou. Photo. YouTube Generation Club Duo. Un chanteur de renom Carlo est bien connu de tous avec sa barbe et sa chemise à fleurs. Il est devenu un chanteur très populaire avec ses chansons qui incarnent l'enjouement. Au cours de sa carrière musicale, il a remporté des titres avec ses tubes. Carlo, la bamboula. Photo. YouTube Generation Club Zoo. La chanson intitulée « De grilles à des indiens partout », plus ou moins lui a permis de remporter son tout premier disque d'or en 1970. Et depuis, il enchaîne à empocher le disque des or avec la sortie de « Degré la cantine », plus ou moins dans les années 1972, puis « Degré tout nu et tout bronze », plus ou moins en 1973, « Degré senior météo », plus ou moins en 1974 et son salobre, Degré Big Bisou, plus ou moins en 1960. Un succès pour ce chanteur à chemise havaïenne au rythme de la bonne humeur. Marie Drucker dans ses clips. Si Marie Drucker est désormais connue en tant que journaliste du PAF, dans sa jeunesse, elle a figuré dans les clips de Carlo. Elle en était fière. Lire la suite. Marie Drucker parle de ses dents intimes dans des clips de Carlo quand elle avait 17 ans. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.